Bonjour, bonjour, Arnie Allo pour Watch the Match pour un nouveau draft Vintage Masters. Alors, qu'est-ce que ça fait? Quatre vols pour 4, ça m'a l'air sexy. Qu'est-ce qu'on a dans le pack? On a Power Sync qui est fort. Zilot, c'est pas non plus transcendant. Matron Goblin, mais bon, ça reste commune. On a quelques fillers noirs, c'est pas exceptionnel. Power Sync ou Bassandra. 4-4 fly pour 4. Je crois que je vais prendre le Power Sync. Pareil, rien de transcendant dans ce pack. Dans les cartes bleues, c'est pas la folie. Je pencherais plutôt sur un Tusker dans ce pack. Il y a quelques cartes noires aussi, mais c'est pas la folie. Ou alors drafté mono blanc. Mais c'est pas les cartes dont j'ai envie actuellement. Tusker, ça me permet de jouer plein de couleurs, j'aime bien. Dans l'idée. Les autres cartes sont vraiment pas folles. Oh, un bâtard! Ouais, il va être piqué. En plus, foil quand même. Hein, pour montrer que j'ai du goût. Ouais, bon. Kindle au passage. Mais bon, si bâtard est troisième pick, a priori, ça joue pas vert. Alors là, j'ai le 3-3 Shadow qui est plutôt correct. Je peux continuer sur du vert. C'est vrai que je suis pas sûr que le bleu soit open. Donc je vais rester sur le vert. Narrogant Worm. Et on est parti pour un petit madness. Je vais rester sur le vert. Bien qu'il y ait un counterspell dans le pack. Quand même envie d'un avec mes deux éléphants de guide dans ce pack. Il était pas énorme, donc autant le prendre. J'ai une givre. Suis pas si fan que ça du plus 3 plus 3. J'aurais peut-être dû prendre Elf sur Elephant Guide. C'est vrai que dans ce format, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fort. Je sens qu'il y a. Le truc, c'est que ça fait gagner des. C'est que ça fait gagner des games tout seul. Tour de bête, tour 3, Elephant Guide. Bah, pour peu que qu'il n'y ait pas la soluce, il meurt assez vite. Mais après, il y a pas mal de communes qui les gèrent. D'ailleurs, ils ont plutôt bien géré à ce niveau-là. C'est qu'ils en ont fait une commune sans que ça soit dégénéré. Prendre ça au cas où. Une aberration. Bon, on va dire que j'ai surtout cuté le vert sur ce pack. Il n'est pas magnifique non plus. Mais bon, il y a quand même une petite base solide. On va dire la base solide, c'est
Deux guides, un bâtard et une argentworm, une mana crypt. Plutôt sympa une mana crypt. Surtout que la deuxième carte c'est Rootwala. Bien sûr, j'aimerais bien du Rootwala, mais on va quand même se faire un petit plaisir. Je savais pas qu'il y avait Cape de Tatou dans cette extension. Il a pris la rare, mais il a pas laissé que du lourd. J'ai pas envie de prendre le troisième Cornac. Y a Elder qui est bien. Un peu lent, mais niveau carte advantage, c'est sympa. Mais dans ce deck, je vais prendre l'elfe. J'ai envie d'avoir mes 3 manas le plus rapidement possible. Bon, un pack assez vide là. Donc voilà, j'ai pas la base madness dans ce deck, c'est un peu dommage. Trancher des gobelins qui est vraiment très fort. Je vais prendre ça dans le doute. Bon, j'ai bien cuté le vert, mais pourtant. Pourtant, je vois aucun vert. Rien du tout, quoi. Et ce deuxième pack est assez catastrophique. Je sais pas ce que ça vaut, Mana Crypt, d'ailleurs, en draft. Une carte assez dangereuse. Si l'adversaire réussit à stabiliser le board, il peut gagner rien qu'avec ça. Ah, j'aime pas des masses, ça, quand même. Prendre Ophidien avec les Cornac, ça peut le faire. Ah, malheureusement, j'ai pas touché grand-chose. Oh, Recurring Nightmare. On va peut-être donner une utilité au petit 1 là, que je piquais avec Mou. Bon, on va prendre le Recurring Nightmare, ma foi. Carte très forte. Ah, il a encore pris la rare, il a passé du caca. J'ai le choix entre le troisième guide et le bord. Je crois que je vais prendre le bord. Maintenant que j'ai le Nightmare, il y a aussi Rite Rouge. Qui aurait été correct. Deuxième petit catog à noter. Waouh, ce pack est vide.
pire, c'est que j'aimerais bien abandonner le bleu, mais il me faudrait des cartes. Peut-être un 2-4. Alors, 8 blue. Pas convaincu qu'il marche ce jeu. Peut-être ça pour avoir un peu d'anti-bet. Quoi que j'ai pas assez de bet, je vais prendre des permanents. J'ai pas envie de jouer un troisième, déjà que je trouve pas ça terrible. Prendre plutôt une idole chimérique qui fait un peu le même taf. Et une animate dead. Pas convaincu par cette carte. Ça c'est pas mal avec Recurring, effectivement. Un deck qui fait pas dans la dentelle. Ça m'étonnerait pas de voir un dernier Elephant Guide. Les gens en perdent de trop le piquet. Je pense pas avoir un retour, sait-on jamais. Ah, peut-être une étreinte de Gaïa. Ah, il y avait ça en retour. Ouais, je vais le jouer, ma foi. Une bonne carte de side aussi. Oh! Oh, du coq au vin, le dernier pic. J'ai rien pour les épées. Je me pose vraiment la question pour la mana crypte. Alors là, je suis à 20 cartes. Elle me fait vraiment peur, cette mana crypte. Permet de faire idle tour 1.
Ouais, essayer. Ouais, essayer. Je suis pas convaincu. Ça reste quand même fort, je dis pas, mais. Alors, donne. Un round qui cycle. Et la mana crypte est déjà dedans, donc je vais rajouter une forêt a priori. Alors, est-ce que ça me va? Ah, ça a l'air pas mal. Ok, bah je vous dis à tout de suite. Combien j'ai? 4 sources, 5 sources, 5. Ouais, bah je vous dis à tout de suite pour le quart.